Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions comme par exemple Street Fighter 6 sur Xbox Series X et Series S à seulement 53,99€. Il y a également l'édition Deluxe et vous pouvez également retrouver des cartes PSN, celle à 50€ qui est à seulement 43,89€, ça vous permet d'acheter des jeux directement sur le PS Store, donc n'hésitez pas à vous faire kiffer. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah! Yo tout le monde, ça fait le geek, on se retrouve aujourd'hui pour un duel d'invocation sur le jeu Dragon Ball Legends avec un adversaire de taille, le frérot Wanka. Comment vas-tu? Mais yo Soso, mais yo tout le monde, comment ça va les gars? Merci infiniment Soso, ça fait extrêmement plaisir. Et je suis encore plus excité depuis ce que tu m'as dit avant qu'on fasse cette vidéo invocation. Exactement, je n'ai toujours pas le Goku Tag Freezer élève perso star de cette première partie des 5 ans de Dragon Ball Legends. Alors pour ceux et celles qui ont suivi les lives et les vidéos, vous savez très bien, hein, on a chopé du Jiren, en veux-tu en voilà, on a chopé du Kiawai, on a chopé du Casserole, on a chopé les EX, Vado, Champa, mais on n'a pas le perso star. Toi, je crois que tu l'as déjà une fois. Je l'ai chopé une fois, j'ai fait une vidéo invocation où je l'ai pas eu, et malheureusement, tu sais, ce petit truc là, quand t'es dans ton lit, tu sais, quand t'as fini d'invoquer, t'es bon, bah vas-y, j'avais dit que je faisais que 10k, mais vas-y, je le sens trop et tout. Et je te jure, je me suis dit, je le sens trop, j'ai fait la multi à 500, et tu sais pas qu'il est tombé sur la multi à 500. Moi j'en ai eu, moi j'ai eu du Jiren Full Power LF type violet, 14 étoiles, il est passé, j'ai tout, j'ai même eu là le nouveau Jiren Transfo, il est 11 étoiles, là-dessus, je me suis mis bien, mais pas le tag. Donc justement, on va essayer d'aller chercher dans ce duel invocation. Alors bien évidemment les amis, vous retrouverez le lien de la chaîne du frérot Wanka dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas parce que là c'est la première partie, ensuite on ira faire la deuxième partie chez lui. Et je tiens également à préciser, on a commencé les lives sur la nouvelle chaîne Kick, c'est comme Twitch les amis, vous trouverez également le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, et bah écoute frérot, tu es l'invité, je vais te laisser commencer, je vais juste rappeler les points. C'est 10 points le perso star, donc le tag Goku Freezer. Ensuite, c'est 5 points Jiren, Casserole et Kiawai. Et ensuite, c'est 3 points les LF et 1 point les Spartan. Et quand il y a un fake out, c'est x2. Je voulais parier un petit tacos à l'occasion dès qu'on se verrait. Mais... Tu viens à la Japan Expo? Non, mais je sais qu'on se reverra parce que je vais te tenter dans des salons. Donc, et puis on s'est déjà vu deux fois. Ouais, bah j'en doute pas. Un petit coup burger, t'as vu, ça ferait pas de mal. Voilà, exactement. Exactement. Tu m'as mis la pression là, Soso, là, de commencer en premier là. Parce que... Bah c'est normal, t'es l'invité, tu commences bien évidemment. Et comme d'hab les amis, max de pouces bleus en mode Genkidama, vas-y, tu vas pouvoir y aller frérot, let's go. Allez, allez, un maximum de luck les gars s'il vous plaît. Moi j'aimerais trop l'avoir parce que j'ai déjà joué avec lui 3 étoiles, il est hyper bon offensivement. Bah ouais, c'est juste 3 étoiles défensivement, ça va pas, ça va pas. Tu te fais attraper, mais par contre dinguerie offensivement, c'est une dinguerie. Bon allez, c'est parti pour la première multi à 500. Attention. Ok, 3 capsules, planète de la Hesse. Alors par contre, animation Badak, Trunks, etc. J'en ai eu à gogo. Ouais, mais ça ne veut plus rien dire maintenant, ça. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de nouveaux persos sur ce portail, entre Casserole, Kiawai, le Jiren, tout ça. Par contre, si jamais il y a Badak et CJ, ouais, j'ai entendu ça. Nouveau. J'ai entendu, ouais. Et puis aussi, il y a aussi apparemment une nouvelle animation. Bon, par contre, là, c'est pas ouf. Il y a une nouvelle animation, c'est quand t'as Broly qui pop. Et, ouais. qui fait un clash avec Vegeto Blue. Bon bah j'ai rien eu. Bah en fait si tu veux, au moment du... Quand il se tape le poing comme ça, tu peux avoir l'écran qui pète comme dans le film DBS. Mais non, ah ouais. Et ça fait genre une nouvelle dimension comme avec Gogeta. Et en fait si ça arrive, ça veut dire tout simplement que t'as le nouveau perso star. Exactement. Ouais. Bah moi je veux ça comme animation là. Ah ça, franchement ça serait une dinguerie. Hein, allez 3, 2, 1. C'est toi qui fais ou c'est toi là? C'est toi qui invoque? Ouais, là, c'est moi la qu'invoque, ouais. On fait chacun notre tour. Ok, vas-y, vas-y. Ouais, chacun notre tour, direct. Vas-y. Allez. 3 capsules, comme toi, planète de la Hesse. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Ok, ça esquive. Bon, après, c'est le palier 2 à 500. En même temps, palier 2 à 500, ça tend pas à grand-chose. Ouais, bah ça. Voilà, ouais, je pense que ça va être comme toi. À moins d'avoir un fake out, mais... Freezer, ok, 0. Yamcha 0, C17, Cybermen,
Piccolo, voilà. Ouais, donc là, c'est 0 points, comme toi. 0 plus 0 est égal à 0. Les amis, on commence le duel d'invocation avec 0 points. Voilà, mais là, on va dire que c'est tranquille, on y va mollo, c'est du diesel, voilà. Et exactement, puis, c'est ça. Multi à 500, franchement, faut pas espérer grand-chose, hein, parce que... Même Multias, je crois que juste avant j'avais dit que je l'avais chopé, non? Ouais, toi tu l'as chopé, ouais, 500, ouais, grave. Donc en fait, si et on peut y croire, on peut y croire. Attention. Ah oh, ouais. Zéro capsule. Alors attends, des fois, zéro capsule, c'est énervé parce que des fois ça sort des fake out de l'espace. SCJ. D'ailleurs, j'ai aussi une nouvelle animation. Pas de Broly, ok, ouais. Super. C'est, tu vois quand Goku il perd le clash là, quand ça lui retombe dessus, quand il a perdu contre Freezer. Bah, en fait, tu sais, t'as Vegeta qui vient des fois, t'entends la voix de Vegeta. Oui, oui. C'est pas quand il est en SCJ Blue, c'est vraiment quand il est en Super Saiyan et qu'il a perdu le clash. Bah, j'ai eu l'apparition du Vegeta en SCJ Blue. Ouais, moi aussi, ça, j'ai déjà eu ça, ça veut dire nouveau perso. Ah, ça veut dire nouveau perso, j'avais un doute entre nouveau perso et élève. Oh, fake out, attention. Oh, fake out. x2. Ok, donc là, j'ai deux points, hein, c'est ça. T'as deux points. Le Goku du film, le retour de Broly, type jaune qui a obtenu son Zenkai. Ça te fait déjà 2 points, malgré ça. Il a déjà pris l'avantage avec ça, parce que du coup, il a 2 points. Bon, j'avoue, moi, les amis, j'aimerais bien, là, que ça tombe un peu, le tag, tu vois, ça va 5 minutes, Toshi, frère. J'avoue. Ah ouais, non, ça va 5 minutes. Yeah ! Allez, c'est bon, 30 000 cristaux, là, c'est bon, frère, faut lâcher un peu, ah ouais, lâche ton perso. 30 000, là. Tu vois. Ah ouais, là, ça commence à piquer. Une capsule Namek en feu. En général, c'est... SCJ, est-ce qu'on peut avoir Badak? Badak? Badak en SCJ direct. Non. Pas de Badak, ok. Oh, quand même à téléporter en SCJ. Là, ça sent bon. On va voir. On peut avoir un truc. On peut avoir un truc, effectivement. Videl. Cell Junior. Cell Lulu. Tao Pai Pai. Ok. Piccolo. Ok. Mecha Freezer. Tu vas me dire, c'est pour ça, là, le Kamehameha téléporté SCJ, là. Mecha Freezer, pour il est Mecha bon. Freezer. Il est très, très bon. Ah ouais, mais... Ah. Oh. Ok. Donc, 2 points. Ouais, il est bon, hein. Je... Voilà, il est bon. Mais là, je mets pas mes cristaux pour lui, en fait. Franchement, c'est l'un des rares personnages qui commence à dater un petit peu, qui a encore beaucoup de potentiel, ouais, encore je trouve. Bon, ouais. C'est vrai. En fait, il a des c'est mécaniques vrai. Défensives étoilées qui ont son importance. Et surtout que la LE, elle est c'est revenue vrai. Parce que bah, le duo le duo tournoi du pouvoir, bah, c'est sûr. Incroyable. Déjà, c'est double couleur. Tu vois, c'est bleu et violet. Tu peux mettre des capsettes bleues et des capsettes violettes en Zenkai. Et puis, on a même encore le couleur LF type rouge qui est encore très bon. Ah oui, il est excellent en couleur LF. Ouais, très, excellent. Très bon. Allez, on lance la multi EX. Let's go. C'est parti. Allez, attention. Qu'est-ce qu'il va nous sortir, le frérot? Je sens qu'il va nous sortir du lourd. Moi, je veux juste une animation qui pète le feu. Attention. Tiens, qu'est-ce que je t'ai dit, Shenron? Où ça sent bon? SCJ. Allez, Badak. Namek en feu, Shenron, SCJ. Badak. Oh là là. Wow. Ça s'est arrêté d'un coup, là. Hein. Ouais. Glissé doré, ah, donc Sparking garanti. Attention. bon, un coup de téléphone. On va cut. Hein. Désolé les amis, j'ai eu un petit appel. Vous inquiétez pas, c'est la multi EX. C'est le premier personnage Sauzer. Donc on a un sparking garanti de ce qu'on a vu. Donc on continue. C'est parti, Sauzer qui ouvre les festivités. De toute façon, on sait qu'on a un sparking. Voilà, exactement. T'as un sparking. Et s'il te plaît, donne-moi du LF parce que ça va 5 minutes là. Les multi pourris là, on n'a pas des CC illimités. Allez, là, régale-nous un peu, là. Au moins des EX de qualité, quoi. J'avoue, Champa, Vados, les nouveaux. Allez. Tu les as eu, d'ailleurs? Un seul. Non, mais... C'est full 14 étoiles. Je sais pas si tu comptes les points, en fait, Soso, mais je crois que je suis à 3 points. Là, ça te fait 3 points, ouais. J'ai 2 points, toi, t'as 3 points, là. Et les EX, les nouveaux EX, ils donnent des points? Non, 0. Ok. C'est la HS. Voilà. C'est la HS, voilà. Bon bah, okay. Vas-y, je t'en prie, hein, parce que là, à moi. Ça casse pas. Moi, je veux aller dans les montagnes, et je veux animation Badak dans les montagnes. 3, 2, 1, allez, c'est à la carte, ouais, c'est à la carte. Animation Badak dans les montagnes, let's go, vas-y. Allez, Toshi, là. Badak et CJ. Allez, fais plaisir. Badak et CJ. Et Badak et CJ, ça serait cerise sur le gâteau. Allez, 5 capsules. Namek en feu. Pas et CJ. Ok.
Attention. Ah. Pas de badate. Ça sent le, Sparking. Ça trop. Sent le Sparking. Attention. Let's go. Ah. Ok, Sparking. Sparking, mais bon, c'est pas de l'animation de ouf, tu vois. J'ai peur au Sparking lambda. Après, c'est ton jamais. Attention. Oh, oh. Ah, mais non, tu l'as 14 étoiles. Tu l'as 14 étoiles, non? Non, je l'ai 11 étoiles. Ah. Je l'ai 11 étoiles. Alors, c'est bien, mais. Mais vas-y, frère, avant, laisse la place au tag. Je fais que deux drops, les gars. Franchement, il est super fort. Ah non, mais il est super fort. J'ai fait une vidéo, justement, PVP avec lui. Il est super bon, il est super fort. Mais ça y est, c'est bon, c'est bon. Ok, bon, par contre, ça me fait 5 points de plus. Donc là, je suis à 7 points. Là, tu vas... Ça, c'est pas mal. Ouh, attention. Oh, oh, t'es en train de me pouffer, là. Hein. Et tu l'as combien? Ok. Elle, par contre, ça va, je n'ai que 3 étoiles, donc du coup, comme ça, elle va monter en étoile. Donc, ça fait 5 points de plus. En vrai, pour elle, ça va. J'accepte, je prends, je suis à 12 points. L'animation, les gars, elle était éclatée, l'animation. Namé Confus, 5 capsules, il y a l'air d'extraordinaire. Deux vedettes. Et j'ai deux persos vedettes, c'est ouf. C'est ouf. Ok, let's go. Oh okay, encore. Bon, elle, j'ai déjà 14. Ah ouais, j'ai déjà 14. Sparking, Ça fait 13 points. Encore. Oh là là. Bon, c'est Michel du sparking éclaté, pour mais là, en termes de quantité, là, on y est. Et même en qualité, hein, pour le coup. Hein. Ouais, j'avoue. Vas-y, lui, celle couche culotte. 14 points. Ah ouais. Ok. Ouais, franchement, bon, là, ok. Bon, j'avoue, bien. En vrai, elle est pas dégueulasse, parce que là, c'est... C'est voilà, ultra rentable, hein, parce que là, t'as les PZ x 2. Ouais. Ouais, carrément. 12 étoiles. Jiren, tu l'as 14 à la fin de la vidéo, hein. C'est la prédiction. Hein. Ah ouais, mais non, je veux bien l'avoir 14 quand j'aurai le tag. Quand j'aurai le tag, après, il n'y a pas de problème, il peut venir autant qu'il veut. Mais d'abord, le tag. Mais d'ailleurs, t'en penses quoi, toi, du tag, de ce que t'as vu, vu que du coup, tu l'as pas, mais comme ça, sur papier, t'en penses quoi? Je lance la multi en même temps. Écoute, moi, je l'ai affronté aujourd'hui. Donc là, bah, j'ai fait ma vidéo pour mardi, justement. Je l'ai affronté en PVP, mais... Il me met une pression de ouf parce que je peux pas Rising Rush sur lui, sinon il contre le Rising Rush. De ouf. Et ça, c'est une pression de ouf. Alors, je sais pas, parce que moi, j'ai pas pu le tester. Dis-moi si je me trompe. Quand il est sur le terrain, tu peux pas Rising Rush parce qu'il te contre. Et si jamais l'adversaire a switché et qu'il a récupéré l'esquive, il peut counter également ton Rising Rush s'il le fait venir ou pas. Alors, en fait, c'est assez subtil. Des fois, il y a même une mécanique qu'on comprend pas. Des fois, il y a des bugs, on dirait... La mécanique d'anti-rising rush fonctionne uniquement s'il a au moins, ne serait-ce qu'une petite larme de la jauge unique. Vraiment une petite, un petit trait blanc. D'accord, c'est ça, à partir du moment okay. qu'il a un tout petit trait blanc, donc c'est activé, ça va marcher. Par contre, si tu fais un perfect dodge sur une action du tag, par exemple, il a fait une strike dans le vent, et toi t'as esquivé, tu rising rush, ça va pas marcher. Il faut pas qu'il soit dans un mouvement en fait. Par contre, attention, quand le duo, ton autre du pouvoir, il est sur le banc, donc il est en attente, et que toi tu lances ton Rising Rush et qu'il fait une cover sur le duo, la mécanique va marcher s'il a la jauge unique encore activée. À une condition, que toi tu sois dans une mécanique d'anti-cover. D'accord, ok. Il faut que tu sois en mode anti-cover, tu vois. On peut pas, tu fais une anti-cover. Et les anti-cover. Genre tu fais la carte verte de Kid Bull Ultra, quoi, par exemple. Voilà, donc les anti-cover, c'est comme si ça annulait le la cover Bon, j'ai rien eu en animation, hein. Une capsule. J'ai un Sparking. Sparking garanti, voilà. Voilà. Non, mais ouais, en tout cas, pour en revenir au tag, non, il met la pression parce que le Rising Rush, tu peux pas le lancer. Fait KO. Attention. Oh, fait KO. Donc là, c'est x2. Allez, gars, ça place pour un personnage donc, de là, 2019. Au total, ça te fait 5 points. Ça fait 14 à 5 là, au total. Oh, attention. Donc, ouais, non, j'aimerais bien. Ok. La carte, elle est belle en vrai. Elle est grave belle. Ouais, hein. Franchement, l'artwork qui est magnifique. Donc là, ça te fait un point de plus, t'es à 6 points, 14 à 6. En vrai, tu sais, si jamais il fait tomber le tag, il prend 10 points d'un coup. Ça serait ouf. Le tag, je vais te le faire tomber sur un fake out. Oh là là, ça fait 20 points, ça y est. Ouais, voilà. Ah, limit break, ok. Ok, 14 étoiles, on n'attend pas ton Zenkai. Ok. Papa, vas-y, à toi, Soso. Bon, bah, allez, à moi. Tu me roustes bien comme il faut là. Bon, attends, c'est pas fini. 3. 2, 1, yeah. Allez, le tag, là. Allez, le tag.
Allez, ouais, Goku Burger. Grave. En vrai, les sandwichs sont trop bons. Ils sont trop bons. Ouais, grave. Incroyable, Goku Burger. Allez. 5 capsules. 5 capsules. Vas-y. Les animations sont déjà quand je suis. Côté, hein. Bah ouais, déjà quand je suis sur Planète de la Hesse, là, toute verte, la planète Namek, là. Pff, ça fait mal. Oh, Glissior. Ok, Sparking. Là, t'as un truc. Ça sent bon. Okay, Sparking garantie. Par contre, moi, j'aimerais bien avoir Animation Jaco. Ça m'annonce que du bon, tu vois. La nouvelle Animation Jaco. Animation Jaco, c'est Sparking garantie, je crois, c'est ça. C'est juste Sparking garantie, t'es sûr? Ouais, c'est juste Sparking garantie, ouais. Ok. Et attention. Imagine Vegeta. Imagine Vegeta qui a eu son éveil Zenkai, super, ça fait 15 points. Ok. Attention. Tout ça, c'est déjà 14 étoiles, les frérots. Ah, ouais, donc je suis à 16. Les points, ça y va, les points. Par contre, ouais, les points, ouais, ça y va. Oh. Et regardez, j'ai tous les Sparkling des années 2000, même si le jeu n'était pas sorti. C'est un truc de... Oh, c'est Kekam, t'as attention. Oh non. Oh, tu m'as mis la muscle là. Ah bah, par contre, je te l'ai dit, hein. À 14 étoiles là, à la fin de la vidéo, hein. Moi, je te l'ai dit. Non, mais c'est un truc de fou. Y'a que lui qui vient. Y'a que lui. Et t'as eu 10 points, là. Je crois que j'étais à 17, donc là, c'est x2. Ça fait 10 points. Je suis à 27. 27 à 6, les gars. Là-dessus, au niveau des points, y'a rien à dire. Hein. C'est... Voilà. Mais ça y est, frère. Ça y est, Jiren, lâche-moi. Lâche-moi, frère. Ah, en vrai, dommage que t'aies pas le tag parce que tu te mets trop bien en vrai. Ah, en vrai, j'aurais le tag, je serais trop content. Eh, c'est bon. Si j'aurais le tag, je serais trop content. C'est incroyable. Mais là, 13 étoiles le Jiren. Oh. Il va mettre des tartes de l'espace, mon gars. Ah ouais, là. En plus, il est boosté là, PVP là encore. Ouais, enfin, grave, il a les boosts et tout en PVP. Incroyable. Tu veux qu'on la fasse ensemble la dernière? Allez, vas-y. Vas-y. Allez. 3, 2, 1, Ike! Yeah! C'est parti, let's go! Allez, on l'a fait. Allez, ensemble, animation glacier avec Broly qui fait la salsa. Oh, ça serait trop beau. Allez, ça serait trop beau. Nouvelle dimension. Les montagnes. Oh, mais regarde, planète de la Hesse. 5 capsules chez moi. Par contre, j'ai pas des belles animations, mais j'en ai chopé du Jiren, du Kawaii et tout là dans la vidéo, n'empêche. On a la même animation. Hein. On a la même anime. Oh, glissé doré pour moi. Oh, toi, glissé or. Oh, c'est Jiblou, pourquoi là, c'est Jiblou comme ça? Oh! Attends, je crois que quand c'est comme ça, c'est nouveau perso. Attends, là, c'est une dinguerie, là. J'ai une dinguerie, là. Je crois que c'est nouveau perso quand c'est comme ça. Il est passé de basse forme à SCJ Blue. Ouais. Attention. Ok. Allez, s'il te plaît. Donc là, ça me fait 28 Allez, points. Allez, s'il te plaît. Ok. Attends, allez. Ok. Non, c'est pas pour Vegeta number one. Non, je pense pas. Allez, là, ça te fait attention. 6 points. Non. Oh, ça te fait 8 points. Ça se trouve, tu vas encore... Oh, allez, attends. Mais ça te fait 9 points. Allez là, mais c'est... Non, c'est pour 3... C'est 3 Sparking garantis ou c'est... Attends, ça arrive là, ça arrive. Mais... Ça te fait 10 ça, points. Ça veut dire quoi, mais ça? C'est un truc de fou, par contre, il a 4 Sparking, wesh. Ça veut dire quoi, ça? Bah, mais... Ça veut dire quoi? Ah non, bah en fait, bah, je sais pas. Je sais... Par contre, t'as quand même eu 4 Sparking, c'est ouf. Alors peut-être c'est 2 Sparking garantis. Ah bah, Mecha Freezer, 14 étoiles, ça va. Et du coup, je t'ai même pas attendu. Non, bah t'inquiète, je regardais en même temps ce que t'avais. Bon, ok. Bon, de toute façon, j'ai gagné. Je sais même pas, je crois que j'ai 29 points, un truc comme ça. Mais voilà, toujours la même chose. Kawaii, Jiren, mais pas le tag. Voilà, les amis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, écoutez, c'est la première partie, comme j'ai pu le dire en début de vidéo. Il y a la deuxième partie sur la chaîne du frérot Wanka. Vous retrouverez le lien dans la description. On va voir si je peux aller le choper chez lui. Ça serait vraiment pas mal. Merci à toi, en tout cas, mon frérot, pour cette première partie. J'ai gagné, mais j'ai toujours pas le tag, donc pour l'instant, c'est une victoire, mais un peu amère, je te le cache pas. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup, et on se retrouve chez toi, si je ne dis pas de bêtises. Je te laisse le mot de la fin. C'est moi qui te remercie, Soso, et puis je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour aller le dropper sur le tapis rouge. Avec, avec l'animation de ton choix. Merci à toi, mon frérot. Max de pouce bleu dans le game, Kidama. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, partager, abonne-toi également en activant la cloche. On se dit à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Hey les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Coming.